Comment vraiment connecter profondément avec lui et l'obséder? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va voir comment vraiment connecter avec lui et comment vraiment l'obséder, etc. Deux secrets dans cette vidéo que je vous révèle juste après le générique. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, peut-être que pour vous et très probablement pour vous, l'homme idéal, on va dire, l'homme parfait, il est à la fois doux, sensible, ouvert, vulnérable et à la fois fort, ferme, puissant, solide, etc. Tu vois la nuance entre ces deux familles d'adjectifs que j'ai utilisées? Eh bien, tu vois, par exemple, il est sensible, ouvert à ses sentiments, plus il est fort et dominant. Ça crée un équilibre entre les deux. Eh bien, sachez que pour lui, la femme idéale, elle est aussi avec un équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'elle est sensible, soumise, ouverte, vulnérable, etc. Mais elle est à la fois aussi forte à sa façon, courageuse, etc. Alors bien sûr, forte à sa façon, ça ne veut pas dire qu'elle soulève 90 kg au développé couché. Mais ça veut dire qu'à une force mentale, elle est capable de repousser le toxique, d'accord? Elle est capable de poser ses limites. Elle a du courage, elle est capable de faire des choses qui la font sortir de sa zone de confort, faire des efforts, prendre des risques entre guillemets, sans jouer sa vie, mais prendre des risques sociaux, je ne sais pas, envoyer le premier message ou ce genre de truc. Ça, c'est typiquement une femme qui est charmante, tu vois. Les hommes veulent un peu comme vous. C'est-à-dire, vous voulez un homme qui sait où il va, on veut une femme qui sait où elle va. Vous voulez un homme qui se fait respecter et qui respecte l'autre, on veut une femme qui se respecte et qui respecte aussi l'autre. Vous voulez un mec qui est à la fois vulnérable et à la fois dominant, ben nous aussi on veut une femme qui est à la fois ouverte et qui est à la fois soumise et qui est à la fois qui sait dire ce qu'elle veut et qui sait se faire respecter. Et voilà, et c'est la vérité les amis. Et c'est dans cet équilibre subtil que beaucoup de gens ont de mal à capter parce qu'aujourd'hui on est « oh, je suis une femme forte, je suis que une femme forte ». Ça va pas. C'est comme si, parce que tu vois, paradoxalement, on se moque du concept du mâle alpha, du mâle un peu solide, un peu voilà. On dit ah, le mâle alpha, c'est ridicule, c'est machin. Et paradoxalement, on vous conseille sur les chaînes concurrentes d'être une femme forte, de machin. Et sans voir qu'en fait, c'est juste transposé l'un à l'autre. Que dans un cas, la société trouve qu'un homme fort, c'est mal, et dans un autre cas, une femme forte, c'est bien. Mais en fait, tous les hommes et les femmes doivent être forts à leur façon, doivent être aussi vulnérables et ouverts à l'autre pour pouvoir connecter, et c'est la vérité. Et ces deux secrets vous permettront de connecter avec lui à un niveau très profond et de finir par l'obséder, parce que c'est un mélange magique. C'est un mélange magique, ça. C'est à la fois tu es accessible, tu es ouverte, on connecte avec toi, à la fois tu es hyper sexy, forte, solide, on peut compter sur toi, fiable, tu vois. C'est un mélange hyper magique qui fonctionne de ouf, les amis. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne si ça vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Regardez dans la description, il y a mes réseaux sociaux, un guide gratuit à télécharger. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.